Un soir de semaine comme un autre. Dans la première case de, bah, du premier, premier épisode de ce nouveau comics, d'ailleurs il faudrait lui donner un titre à ce comics, la première case nous montre le quartier de Little Neon. Ce n'est pas très loin du centre, mais ici les bâtiments ne font qu'une dizaine d'étages tout au plus. Tout semble calme. Seconde case s'arrête sur une grande artère. Il est 22h30, quelques bars sont ouverts. Il y a peu de passants dans les rues et la circulation est fluide. Troisième case, la vitrine d'une bijouterie explose. Les cases défilent, les voitures garées devant sont soufflées et vont s'écrouler un peu plus loin. Celles qui stationnaient de l'autre côté de la rue sont retournées par l'onde de choc. Des vitres explosent sur le bâtiment en face. Des alarmes se déclenchent. Quelques badauds qui avançaient tranquillement à proximité errent étourdis ou se recroquevillent terrorisés. Une étrange lumière rouge, orange et jaune émane de l'intérieur de l'établissement d'où est venue l'explosion. Nouvelle case. On voit Lava, le super criminel, sortir en surfant sur une langue de lave qui enflamme ou fait fondre tout ce qu'elle touche. Un incendie s'est déclaré derrière lui. Il tient un sac qu'il a soigneusement entouré dans une couverture de survie en aluminium et jette un regard méprisant sur la scène de destruction qu'il a lui-même provoquée. Case suivante, les voitures de police arrivent et s'immobilisent à distance. Les agents sortent avec leurs armes et font feu. Les projectiles fondent avant d'atteindre leur cible. Lava soupire en regardant les efforts pathétiques des forces de l'ordre. « Alkyon City, me voilà de retour », dit-il fier de sa puissance. « Personne ne semble pouvoir l'arrêter. Il faut que des héros interviennent. » Ce que je vais vous demander, chacun, c'est de décrire votre entrée en scène. Juste votre entrée en scène. Qui commence ? Je pense que moi, je suis sur un toit. Et puis, j'ai le vent dans les cheveux. Et je suis là avec ma tenue noire et mon masque noir. À peine visible en fait, et je choisis une flèche avec soin dans mon carquois pour l'envoyer sur Lava. Je pense que je vais essayer. Alors je regrette un peu de pas avoir de flèche tout simplement hydraulique, je sais pas si on dit ça comme ça, enfin bref, avec de l'eau dedans. Je pense que là, une bonne petite bombe à eau, en fait, ça pourrait faire son effet. Mais j'opte, je pense, pour une flèche explosive. Ça fait toujours son petit effet. Et donc, je sors mon arc, je bande mon arc et je suis prêt à tirer. Très bien. Ensuite, qui avons-nous ? Dust, c'est possible ? Vas-y. Alors, sur un coin de la rue, on entend des cris. Aidez-moi ! Je suis coincé ! En effet, plusieurs voitures ont été projetées par l'explosion. Il semblerait qu'un passant se soit retrouvé bloqué derrière l'amoncellement. Et puis, une à une, les voitures commencent à léviter. De la rue, le passant se libère et il voit une silhouette stellaire sauter d'une voiture en lévitation à l'autre et s'arrêter face à Lava pour lui dire voilà, eh bien, on va pas t'envoyer à la figure cette fois, mais on va se débrouiller. Faisant mention à leur dernier affrontement, les yeux emplis de lumière de Dust brillent de haine alors qu'il se remémore ce que Lava a infligé à Rebecca lors de leur dernier affront. Parfait. Qui d'autre ? Alors moi je vois bien une case avec une bouche incendie, tu sais, comme il y a dans, j'imagine, dans la rue, dans toutes les rues. Oui. Et puis la case d'après, en fait, elle vole en éclats. Il y a un jet d'eau qui vole dans les airs et qui se répand un peu et qui essaye d'éteindre ce qui a pu prendre feu. Et à côté, il y a
Jimmy avec la bouche d'égout dans la main. Enfin, la... Tu veux dire une borne incendie ? La borne incendie, voilà, pas la bouche d'égout. La borne incendie dans la main et qui s'apprête à le jeter sur la vaf. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Et enfin, nous avons Mélanie. Donc, je pense que tout à l'heure, dans la case, avant que mes camarades interviennent, on va dire, Lava avait projeté une sorte de vague de lave sur les policiers. C'est ce que t'as dit, non ? Non, non, non. Juste que les balles fondaient avant de le toucher. Ok. Donc il a riposté aux balles en recouvrant les policiers de lave, qui s'est solidifié en fait comme ça. Et donc on voit une sorte d'épée blanche et traverser la couche de pierre un peu fondue et la faire voler en éclats. Et on voit donc Louvre qui s'extirpe des pierres et qui aide les policiers en fait à sortir de du piège et qui regarde. Donc Louvre elle a une sorte de costume blanc un peu. C'est un construct hein, qui vient sûr, c'est une sorte de veste, une veste en fourrure, mais immaculée, avec une sorte de masque, une sorte de loup assez simple sur le visage. Et en fait, elle a une sorte de bouclier sur un côté et une épée, des courts. De l'autre côté, elle regarde là-bas et on voit la même truc qu'on la voit elle en train de regarder là-bas et on voit ses collègues qui sont disposés, prêts à l'attaquer. Très bien. Donc, fondamentalement, Lava a. Il a en face de lui. Qui il a en face de lui Dust, voilà. Il a Dust en face de lui. Ok. À quelques mètres. Il a Jimmy un petit peu sur le côté et il a Mélanie sur le même côté ou un autre côté. Au niveau de la rue, que je sache. Je suis de l'autre côté de Jimmy. Ok. Et enfin, nous avons comment elle s'appelle déjà avons The Eye qui est The Eye qui est à une dizaine d'étages au-dessus sur un immeuble. Exactement. Très bien. Nous allons donc activer le move affronter directement une menace. Non, c'est pas ça. C'est Affronter. Move d'équipe. Attends, oui. Le move d'équipe. Que je le trouve. Se lancer dans la bataille. Se lancer en équipe dans la bataille contre un adversaire dangereux. Je peux noter que vous êtes tous arrivés d'un endroit différent. Et donc je vais vous poser. Donc déjà j'ajoute 2 points d'équipe. On passe à 3. Ensuite, je pose les questions suivantes. Qui est le leader du groupe ? Bah là, du coup, ça a l'air d'être Dust quand même. C'est lui qui fait face à Lava et qui a les yeux pleins de vengeance. J'aurais dit que c'était toi qui coordonnais nos actions. De manière générale, c'est quand même Ziai, mais le plus engagé dans la scène, c'est peut-être Dust. Mais de manière générale, c'est Ziai. On part sur Ziai ? Oui. Allez, c'est parti. Donc. ZI, et bim, tout de suite les responsabilités. ZI, est-ce que tu as de l'influence sur chaque membre du groupe ? Oui. Ok, on ajoute un point d'équipe. Ensuite, ZI, quel est l'objectif de cet affrontement ? Pour moi, l'objectif, ce serait neutraliser Lava pour qu'il arrête de faire des dégâts et des blessés. Dust, c'est quoi l'objectif ? Ton objectif ? L'objectif, ça va être d'envoyer Lava à l'hôpital. Mmh. Ok. Mélanie, c'est quoi ton objectif ? Oui, mon objectif, c'est de protéger les innocents. Ok. Et enfin, Jimmy, c'est quoi ton objectif ? Ouais, c'est de fracasser Lava. Ok. Donc, tout le monde n'a pas le même objectif. Ensuite... est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas confiance dans le leader ? Qui n'a pas confiance dans ZI pour vous mener à la victoire ? Non,
Attention à ce que vous dites, hein, ça sera retenu contre vous. Non, moi ça va, j'ai confiance. Normalement, c'est bon, on a confiance. Ouais, dans le principe. dans le principe, est-ce que tu en es sûr alors? Oui, 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 j'ai confiance, il n'y a pas de souci. D'accord. Je sais qu'elle fera, enfin, qu'il fera ce qui est prévu, enfin voilà, il va bien nous. Enfin, il va bien. Très bien. On verra, voilà. Et on va partir du principe que comme vous étiez en patrouille, vous n'êtes pas surpris. Donc nous sommes à 4 points d'équipe. Vous savez que vous pouvez utiliser des points d'équipe pour vous aider les uns les autres lors de cette bataille. Oui. Très bien. Donc Lava est en face de toi, Dust, et il te jette un regard méprisant. Et il jette un regard aussi à Jimmy. Il jette un regard en direction de Mélanie. Il fait « Encore vous ? Ça ne vous a pas suffi la dernière fois ? Vous voulez un autre exemple ? Que faites-vous ? » Eh ben moi je lui balance ma flèche explosive. Ok, qu'est-ce qu'elle fait cette flèche explosive ? Ah, eh bien, explose, tu veux me dire. Mais quelle est... Oui. Alors, Donc déjà, c'est un matériau, le matériau de la flèche est très résistant, évidemment, puisqu'on travaille, c'est un travail. On travaille avec des méchants qui ont souvent un corps instable, etc. Donc il faut quelque chose d'assez solide. Et donc cette flèche explosive, en fait, elle va se nicher à l'intérieur du corps des super vilains, puisque c'est ceux qu'on combat d'habitude, et elle explose en fait. Et donc le but ici pour Lava, ça va être justement de que la flèche pénètre le plus loin possible à l'intérieur de son corps de lave pour en faire exploser des petits morceaux. Ok, très bien. Je vais te demander de déchaîner tes pouvoirs. Ok. C'est plus pour affronter Lava que je faisais ça, mais... Tout à fait, mais ton objectif... Enfin, il ne peut pas te rendre les coups, là, tout de suite. Non. Tu mais... prends un peu par surprise. L'objectif, oui, c'est de voir vrai. Si tu obtiens ton... D'accord, ok. Alors... C'est en grosse conséquence, j'entends. C'est parti, on y croit, on y va. Yes. Mais je coche un potentiel. Tu coches un potentiel. Bravo, le premier alors le premier G de la campagne. Le premier G de la campagne, le premier G de la session, un échec. Félicitations, bravo. Ouais, moi, merci, je dis qu'on merci. Peut, on peut tous l'applaudir. Ouais. Bien, donc tu tires ta flèche. Celle-ci, en fait, à cause des... tu sais pas si c'est la présence du pouvoir de Dust qui est juste en face, il est énervé, son pouvoir émane de lui, si c'est à cause des changements que cause la forte chaleur de la lave et du corps de Lava. Mais en tout cas, ta flèche se dévie, Harry passe derrière lui et explose à l'intérieur du bâtiment. Ah mince, c'est Mélanie qui va pas être contente. Elle explose à l'intérieur du bâtiment et vous entendez des cris venant des étages supérieurs du bâtiment. Il y a des gens qui habitent et il y a des habitants qui commencent à se presser à leurs fenêtres et à leurs balcons complètement terrorisés. Dust, toi tu viens de voir cette explosion derrière Lava. Celui-ci juste jette un petit regard et te fait vous êtes toujours aussi ridicule. Mais alors oui. Sérieusement, tu penses vraiment que vous allez pouvoir faire quelque chose? Vous pas pensez voir, vraiment que vous allez pouvoir sauver tous ces gens? Vous n'êtes pas assez fort pour m'affronter. Très bien. Est-ce que je peux agir, donc? Eh bien, tu peux agir, effectivement. Alors, en équilibre sur cette voiture qui flotte dans la rue, le regard concentré sur Lava et plein de haine
et c'est à peine s'il prête attention à tout son environnement et aux cris des gens. Il fait un petit saut vers l'avant, attrape la voiture par la vitre brisée et la lance en direction de là-bas. À mesure que la voiture fend l'air, elle retrouve son poids d'origine et devient plus lourde. En tout cas, c'est l'idée. Ok. Mais dans la gueule. Alors que tu fais ça, tu vois Lava qui écarte les mains, qui projette une langue de lave en direction de ton projectile. Je vais te demander d'affronter directement une menace. Ok. Eh bien, vous êtes en forme. Bienvenue au club. Hey, potentiel. Tu gagnes un potentiel. Bien. Donc, il projette sa... sa langue de lave qui écarte le véhicule. Le véhicule est dévié en direction de Mélanie. Tu vois cette énorme voiture. Non, pas Mélanie. Ça va être Jimmy. Tu vois cette voiture arriver sur toi et surtout d'un coup, elle augmente en vitesse au fur et à mesure que justement Dust lui avait donné l'impulsion d'être plus lourde. Donc tu vois ce véhicule t'arriver dessus. Toi Dust, continue avec sa langue de lave qui t'entoure et commence à te brûler. Je vais te demander d'encaisser un coup puissant. Moyen. Sur un 7-9, tu choisis une option. Tu t'en prends à quelqu'un verbalement, tu pousses un membre du groupe à une action téméraire ou abuses de ton influence pour infliger un état émotionnel. Tu cèdes du terrain, ton ou tes adversaires gagnent une opportunité. Ou tu domptes la douleur, tu coches deux états émotionnels. Que je vais dompter la douleur et cocher deux états émotionnels. Lesquels ? Là. Eh bien, déjà, ça va être guilty, donc coupable, parce que son éclat de colère aura simplement mis Jimmy en danger, encore, c'est même pas la première fois d'ailleurs. Moi, je voudrais bien et furieux. Et j'ai coché en colère, ouais. Et furieux parce que ça se passe exactement comme la première fois qu'on l'a affronté. Et... Tout à fait. J'aurais coché désespéré aussi, mais pas encore. Donc Jimmy, toi, tu vois cette voiture arriver, tu sais que Dust l'a manipulée, d'un coup tu as les images de la blessure que tu avais reçue à cause de Dust, tu as ce flash qui t'arrive en pleine tête, comme si tout se répétait d'un coup, que fais-tu ? Alors j'essaye de... enfin je saute en l'air, et en fait ce que j'essaye c'est de donner un violent coup de pied dans la voiture pour qu'elle reparte sur l'ava. Ok. Écoute. Moi je pense que. Style, en fait, c'est juste comme un ballon, quoi. Enfin, tu vois, je la considère comme un ballon. Moi je pense que ça va être déchaîner tes pouvoirs. 7. Alors, sur une réussite, tu parviens au résultat que tu as décrit. Sur un 7-9, tu coches un état émotionnel de ton choix. Ou je te décris comment l'effet souhaité est instable ou temporaire. Qu'est-ce que tu choisis ? Je vais cocher furieux. Ça fait deux fois quand même qu'on essaye de faire enfin, avec Dust. Enfin, ça m'a... voilà, avec les souvenirs, etc. de ce qui s'était passé avec l'immeuble. Là, je suis un peu en colère contre Dust. C'est pas grave. Ça va passer. Donc je coche furieux. Et donc la voiture normalement devrait aller s'écraser sur là-bas. Ok. Donc Dust, toi tu vois la voiture qui avait été écartée par la langue de lava qui est renvoyée par Jimmy, qui frappe le super criminel. Lava est projeté, il tombe de cette espèce de tentacule de lave sur lequel il se tenait, et il tombe pas très loin de toi, Mélanie, sur le point de se relever. C'est peut-être une opportunité juste, pour toi. Juste, je lance un petit regard amusé à Sai. Okay. Moi, j'y suis arrivé. Moi, je pense que enfin, je suis dans l'esprit de la bataille. Je vois pas l'ironie de ton regard. Je te fais un pouce levé de là où je suis.
Je lève le pouce en son. Ouais. Mélanie. Je suis là. Donc je dis, quand il tombe à côté de Mélanie, Mélanie essaie de reproduire un mouvement qu'elle a vu dans un jeu vidéo, en fait, où elle va faire un espèce de d'uppercut en remontant pour le projeter en l'air. D'accord. L'idée, c'est de le projeter en l'air pour que l'AI puisse... soit pas obligé de tirer sur moi, alors que... Tu vois ce que je veux dire? Okay. Une sorte de combo de je te jette en l'air et pull. Tu fais la passe, quoi. Ouais, je vais te demander d'affronter directement une menace. 8. Sur un 7-9, tu choisis un élément. Alors, sur une réussite, vous échangez des coups. Sur un 7-9, choisis un élément de la liste. Sur un 10+, choisis-en deux. Alors, je suppose que tu veux créer une opportunité. C'est ça. Ok. Ça, je crée une opportunité pour toi. Donc, toi, tu envoies ton uppercut. Le problème, c'est que tu as dû te rapprocher de lui pour faire ça. Et Lava est très, 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 très chaud, même brûlant. Ce qui fait que tu commences à sentir les effets d'un bronzage accéléré. Et surtout, le bitume... au niveau de tes pieds fond, ce qui fait que tu commences à te retrouver bloqué. Tes pieds sont bloqués dans celui-ci. Lava est projetée en l'air, donnant une opportunité à je ne sais pas qui d'intervenir. Eh bien, à moi, je pense, parce que du coup, j'ai dû, ne me laissant pas abattre par cet échec, le premier échec, j'ai dû encocher une autre flèche. Et donc voilà, et comme Lava est projetée en l'air, donc cette fois-ci j'ai plus de risque de l'envoyer dans un immeuble ou dans une vitrine, et bien du coup je reprends une flèche explosive. Je me laisse pas abattre. L'objectif étant quoi exactement ? Toujours la même chose, de réduire, d'arracher des morceaux à Lava. Il se prend la... Bah, décris-moi ce qui se passe, en fait. Donc, du coup, j'ai pas acheté les dés ? Non. Ok, c'est cool. Je pense que en fait, la flèche, j'ai même pas eu à mettre un petit minuteur ou quoi que ce soit dessus, parce que je savais que... au contact avec son corps brûlant, elle éclaterait directement. Donc je pense que peut-être je l'ai frappé dans le torse ou à l'épaule, tiens. Et qu'en fait, il y a plein de petits fragments de lui qui sont projetés dans les airs. Et qui en fait siffle un peu partout et en même temps qui se répandent et qui tombent sur le sol, je pense qu'ils perdent très rapidement de leur chaleur et qu'ils deviennent des petites pierres noires en fait, sans utilité. Et je pense que du coup le bras et l'épaule de Lava sont affaiblis. Et qui va devoir se reconstituer avant d'être opérationnel de ce côté-là. Okay. Est-ce que ça te va ? Ça me va. Je peux même t'annoncer que tu lui infliges un état émotionnel. Aha ! Et donc, dans la règle, il est indiqué que quand un supervillain subit un état émotionnel, il a automatiquement une action. Il se prend la flèche, elle explose. Il y a son corps qui explose au niveau de l'épaule, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Il pousse un hurlement, tu vois qu'il se concentre. Mélanie, tu es pas très loin de lui. Juste en dessous, ouais. Juste en dessous. Et d'un coup, en fait, alors qu'il se concentre pour se reconstituer, c'est un peu l'effet Akira. C'est-à-dire que c'est pas qu'il explose, mais il grossit dans une espèce de gigantesque blob de matière enflammée et en fusion. Il se déforme complètement. Il y a une espèce de bouche qui s'ouvre. Vous entendez une espèce de qui hurle, qui
qui hurle à vos oreilles. Mélanie, tu voulais faire quelque chose? Ouais. Je voudrais essayer de concentrer en fait mon pouvoir pour l'entourer de mon construct en fait pour retirer l'oxygène autour de lui. Entourer cette bulle d'une espèce de couche de cette matière blanche qui me recouvre. Ok, donc ce serait déchaîner tes pouvoirs, je suppose. Eh, je marque un potentiel. Tu marques un potentiel. Excellent. Excellent. Bien. Tu essayes de créer ton construct, mais celui-ci ne supporte pas en fait l'augmentation soudaine de puissance de lava. Il y a des jets de lave qui partent de partout dans la rue adjacente, et vous voyez une voiture qui passait au croisement en remontant la rue perpendiculaire, qui est heurtée par l'un de ces jets de lave. Elle fait une sortie de route et elle fonce droit sur un couple de passants sur le trottoir. Je saute sur les passants, devant les passants, pour bloquer la voiture. Ok. Fais-moi un test de défendre, s'il te plaît. Oh, vous êtes abonné. Oh là, elle est trop fort. Hein. Le MJ jubile là. On est en train de rejouer. On est c'est double 1 quoi. Ouais. Ah ouais. Les yeux du serpent. Tatatin. Alors, tu te prends la voiture en pleine pleine face, en fait. Du fait de la chaleur ambiante, le bitume au sol est ramolli, ce qui fait que tu n'as pas assez d'appui pour pouvoir bien arrêter le véhicule. À la limite, tu arrives à le détourner pour qu'il ne frappe pas les passants, mais toi, tu te prends... Aïe. Tu encaisses un coup puissant. Aïe. Allez, encaisse un coup puissant. Donc c'est un move, encaisser un coup puissant. Oui, oui. C'est là où il faut rater. Hein. Faut que tu refasses deux, là. C'est état. Et je crois que tu souffres déjà d'état émotionnel. Oui, j'en ai un. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas mal. Attends, tu fais 2 puis 12. Mais pas c'est dans le bon ordre, beau. En fait. Alors, lorsque tu encaisses un coup puissant, sur un 10+, tu choisis une option. Soit tu dois quitter la scène, tu fuis, tu perds connaissance, etc. Soit tu perds ton self-control ou le contrôle de tes pouvoirs d'une manière épouvantable. Soit tu choisis deux options dans la liste suivante. Et puis voilà quoi. Non, je vais perdre mon self-control, hein. Je vais me fracasser. Hein. Ok. Je me dirige vers l'ava pour... voilà, je vais tout fracasser là. Je pense que je vais t'infliger quand même un état émotionnel. Parce que vous êtes pas super efficace depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Peut-être que tu espérais pouvoir faire quelque chose de grandiose. Après tout, on était dans tes compétences à essayer d'arrêter ce véhicule. Et je pense que à la limite, je te mettrais désespéré, si tu es d'accord. Ah, moi j'étais sur démoralisé, mais si tu veux mettre démoralisé, oui, c'est bien aussi. C'est surtout que j'ai perdu la face là. Donc tu commences à te précipiter en direction de lava. Je lui jette des voitures, je lui jette, je sais pas, tout ce qui me tombe sur la main. Ok. Alors, Dust, toi tu avais été repoussé par la langue de lava qui t'avait collé contre le mur du bâtiment en face. Avec la chaleur, la pierre avait commencé à fondre autour de toi. Avec l'action de The Eye, lava avait lâché son contrôle sur cette langue de
cette langue de lave qui s'est solidifiée. Que fais-tu ? Alors, Dust s'extirpe des décombres brûlants à quatre pattes et en gémissant. Il se relève juste à temps pour voir Louvre essayer de contenir l'explosion de lava. Voit que c'est un échec et prend le bras, il va bondir dans les airs sans aucune gravité, tendre la main vers lava et projeter cette espèce de poussière dont est fait son corps à la manière d'une tornade pour reprendre là où Louvre avait échoué, la disperser tout autour de lui et le compresser pour le forcer à rétrécir. Alors, je vais te proposer d'affronter directement une menace. N'oublie pas que lava est devenu une espèce de gros blob qui est complètement hors de contrôle. D'accord. Donc, il y a des jets de lave un petit peu partout. Vas-y, je t'en prie. Hey. Sur une réussite, vous échangez des coups. Sur un 7-9, tu choisis un élément de la liste. D'accord. Alors, ça va être... Tu crées une opportunité pour tes alliés. Ok. Alors, tu te concentres pour enfermer lava et tu as une autre langue de lave qui arrive à te capturer pendant que son expansion est contrôlée parce que tu fais. Et il va se concentrer en fait sur toi, laissant l'opportunité aux autres d'agir. Et toi, par contre, tu vas encaisser un coup puissant de sa part. Tout au long de l'action, Dust maintient le focus visuel sur lui, le regarde dans les yeux et dans sa tête, il se répète en boucle « Cette fois, ne le laisse pas gagner, cette fois, ne le laisse pas gagner. » Hey, full hit. Alors, sur un 10+, tu choisis une option. Tu quittes la scène. Tu perds ton self-control ou le contrôle de tes pouvoirs d'une manière épouvantable. Eh bien, je vais quitter la scène en perdant connaissance, je pense. Mais sinon, il peut aussi choisir deux choisir options deux des 7-9. De 7-9. Mm. Mm. Mais ça me va, vu tout ce qu'il a dégusté. Dust va finir par s'évanouir dans l'étreinte de lava. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que la langue de lave t'attire et tu te retrouves à l'intérieur de lava. Tu perds connaissance à cause de toute la chaleur. Vous, tous les autres, vous voyez votre compagnon se faire absorber par le blob de lave. En fait, moi, je pense que je vois pas parce que je suis en train de descendre à toute allure au niveau du sol parce que j'ai une idée en fait pour agir sur lava. Et donc du coup, je pense que j'ai pas vraiment conscience de la scène en fait. D'accord. Alors pendant que tu descends, Mélanie, toi tu vois Jimmy furieux avancer, il écarte les voitures sur son chemin, il fait pas attention aux passants, il fait attention à rien. Tu commences à entendre des cris qui proviennent des étages tandis que des étages du bâtiment en feu, tandis que les flammes montent encore. Et tu as lava qui, pour l'instant, est maintenu par ce qu'avait créé Dust, mais tu vois que ça commence à se craqueler à divers endroits. Donc Louve, voyant qu'elle ne peut pas se mettre en travers, que déjà elle n'a pas trop d'effet sur lava et qu'elle ne devrait pas se mettre en travers du chemin de Jimmy, elle se précipite donc elle quitte le combat en fait, elle se précipite sur le. Elle arrache ses pieds du béton et elle se précipite pour essayer d'éteindre les flammes avec son pouvoir en fait. En gros, elle va faire une sorte de couverture en fait pour étouffer les flammes. D'accord. Qui lui paraît être plus à sa portée. Moi je pense que ça correspond à déchaîner ses pouvoirs, ce que tu fais. Comment tu... Ouais, ça me semble bien. Ou défendre. Défendre quelqu'un. C'est le même jeu pour moi, mais... Tu vois, je défends quelqu'un d'une menace immédiate. En gros, mon objectif c'est d'empêcher que l'immeuble prend feu et que les gens soient blessés. Tout à fait, vas-y. Oh, là. Non,
j'ai raté. Non, j'avais vu le 13. Ah non, j'ai raté. Je coche un potentiel. En plus, on rate jamais pour... On peut pas se faire aider, quoi. Tu vois, même là. Bah ouais. Y a pas quelqu'un qui peut l'aider, là? Mais non, ça me mettrait à 6. De toute façon. Bah moi, je suis en train de dégringoler les étages de là où je me trouvais. Moi, je jette des voitures, hein, si ça peut aider. Je jette des voitures. Toi, merci, Jimmy. Toujours aussi subtil. Enfin, toi, tu as perdu ton self-control. Non, mais on sait jamais, ça peut aider. Non, mais de toute façon, ça me mettrait à 6. Donc. Et oui. Attends, si j'utilise un point de manière. C'est pas plus 2 si j'utilise un truc de manière. Égoïste, là. C'est où agir de manière égoïste. Explique comment tes actions ignorent ou insultent tes camarades. Je sais pas trop. Il faut que tu brodes du coup là sur ce thème là. Ouais. Ouais, ça me semble pas. Ah ok, d'accord. Mais non, mais dépense un point d'équipe et augmente une étiquette de ton choix. De toute façon, ça change rien. Parce que ça m'amène à 6 quand même. Ça, je voulais savoir si c'était plus que 1, mais. Tout à fait. Bien. Qu'est-ce que ça va faire ton truc? Moi, je te propose quelque chose. Vas-y. L'immeuble tombe sur moi en fait. Avec les gens à l'intérieur, terrible. Effectivement, on va dire ça. L'immeuble va te tomber dessus. Il y a des cris, des gens qui hurlent, tandis que tout s'effondre. Et ben, tu vas encaisser un peu plus simple. Ouais. Je te propose également de cocher une deuxième case de mon compte à rebours. Puisque quand je suis responsable de. Quand je blesse des innocents, en fait. Ouais. Tu vas pas faire un long feu. Et j'en ai coché un autre tout à l'heure pour la voiture. J'imagine qu'il y avait quelqu'un dedans. Donc vas-y, encaisse le coup puissant. 7. Alors sur 7-9, tu prends une option, tu t'en prends à quelqu'un verbalement, tu cèdes du terrain, ton ou tes adversaires gagnent une opportunité, tu domptes la douleur, tu coches 2 états émotionnels. Je pense que je vais prendre 2 états émotionnels. Qui sont Qui sont coupables. Et qui sont... J'hésite entre effrayé ou démoralisé. Non, qui sont... Ouais. Ça pourrait être démoralisé. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'elle est... C'est ça. Elle est coupable. Ouais, démoralisée, c'est très bien. Parce que justement, elle y arrive pas, quoi. Depuis tout à l'heure, elle y arrive pas. Donc, fictionnellement parlant, je pense que Jimmy est plus proche d'agir que The Eye. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Enfin, moi, je pense que j'ai eu le temps quand même de descendre depuis tout ce temps. Mais si Jimmy veut agir en premier, il n'y a aucun souci. Allez. Alors, moi, suis toujours... J'ai une question pour The Eye. Oui. Là, tu descends à pied ou t'as attendu un câble et tu descends sur un câble? Non, je descends à pied. Ouais, ça me semble un tout petit peu plus long vu que l'immeuble fait une dizaine d'étages. Ok, d'accord. Juste... Pas alors. Donc Jimmy, comme un fou, tu arrives devant le blob. Ce qu'avait fait Dust autour de lui finit de craqueler. Si je ne m'abuse, Dust, toi, tu voulais créer une opportunité en faisant ça, c'est ça? Non, normalement l'opportunité a réussi. Ouais. Oui, mais c'était ton intention, c'est ce que tu avais choisi. Ok. Donc Jimmy, tu as une opportunité. Ok. Alors moi, ce que je vois, c'est que. Cela dit, tu as vu Dust se faire avaler par le blob. Il est à l'intérieur là. Et toi, tu es en furie. Alors, je donne. Alors, l'opportunité, on va dire que c'est une bouche d'incendie toujours. Qui est juste en fait si je l'arrache, ça va poser un jet sur la barre. Donc ça va moi je vais en profiter pour sauter et essayer d'extirper même si ça me brûle tant pis Dust de bon. Ok, donc
Bah, je pense que déjà la bouche, enfin l'eau, ça va calmer un petit peu quoi. Le shit d'eau, ça va être calmé et du coup il va être occupé à ça et du coup je vais pouvoir moi m'occuper de Dust. Ok, pour la bouche incendie, je vous propose un déchaîner ses pouvoirs. C'est une réorganisation de l'environnement. Alors, ouais. Voilà, enfin. Excellent. Eh bien, le résultat, c'est que tu arrives à tes fins. Donc, Il commence. Enfin, moi, si tu veux, hein, j'ai l'impression, je vois le truc, c'est qu'il commence à comment ça s'appelle ? À se durcir, c'est très bien. Et moi, je vais arriver, je vais donner un grand coup de poing dedans pour qu'il s'effrite. Ok, tu donnes. La lave avec de l'eau, ça durcit et donc du coup, moi, je vais frapper. Tout à fait. Effectivement, ça durcit. Et tu peux nous décrire comment tu extirpes ton compagnon inconscient de l'intérieur de lava. Alors, en fait, je donne lava, enfin l'espèce de blob va durcir. Voilà, moi je saute, je donne un grand coup de poing très violent qui fait que toute la partie dure vole en éclats et je plonge la main, j'imagine que c'est de la lave, mm-hmm. plonger la main dans la lave pour tirer ce qui éventuellement reste du dust. Oui, il en reste certainement quelque chose. Voilà. D'ailleurs, Dust. Tu ressembles à quoi en fait quand il t'extirpe de la lave ? Et jure, mais en même temps, parce que quand même ça me brûle. Hein. C'est une silhouette de matière noire bouillante et fumante qui forme humanoïde. Et ça brûle beaucoup. Parfait. Jure, parce que je. Bah, en même temps, j'ai la main brûlée, enfin, même le bras brûlé. Tout à fait. Qui. Voilà, en quelques secondes se reforme. Ok, super. Donc tu arrives à extirper Dust, vous reculez tous les deux, tu as toujours l'eau qui coule sur Lava, celui-ci en fait est en train de diminuer et de reprendre en fait sa forme initiale. À ce moment-là, VI, tu arrives en bas, que fais-tu ? Eh ben, tant qu'il est concentré sur le fait de reprendre sa forme initiale, je pense que je vais lui lancer des grappins dessus, à des endroits clés comme les poignets, le cou, les chevilles. Et je vais essayer Enfin, tout ça, je vais les lancer à partir de la bouche d'incendie qui a été arrachée. Pour le maintenir le plus près possible de l'eau, en fait, qu'il puisse pas redevenir en lave. Qu'est-ce que vous me conseillez là ? Ce serait déchaîner ses pouvoirs aussi ? Non, moi, je pense que ce sera affronter directement une menace. Ah, mais comme là, il est en mode, comment dirais-je, il n'est pas activement agressif envers toi. Ouais, mais mon objectif, c'est quand même de le neutraliser. Non, mais ça peut marcher avec déchaîner ses pouvoirs. Hein. Oui, mais enfin, déchaîner ses pouvoirs, c'est plus quand on modifie l'environnement. Tandis qu'affronter directement une menace, c'est, pour moi, c'est vraiment du coup vouloir s'en prendre à quelqu'un, en fait. Ça dépend de l'objectif du joueur, non ? Ouais, mais vous échangez pas des coups, c'est ça que je... C'est parce que je vais réussir mon jet. J'ai un doute. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres ? J'ai un doute. Mélanie, Asgard, Dust, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que si... Pour affronter directement une menace, t'as quand même l'option, tu lui prends quelque chose ou tu crées une opportunité. Ouais. Moi, je pense que c'est pas nécessaire que ce soit que l'échange de coups. Ouais. Moi, je pense que affronter directement une menace, ça implique qu'il est suffisamment prêt pour prendre un coup si jamais ça marche. C'est ça la différence, c'est que déchaîner ses pouvoirs, c'est à distance, et faire ce genre d'action, à mon avis, doit être un peu plus près, quand même, pour pouvoir tourner autour et accrocher les câbles au bon moment. Bon, on part sur affronter directement une menace. Allez, c'est parti. Et puis, on verra comment tu te prends des coups. Et sinon, enfin, moi, j'estime... excessive. Ouais. Tu m'entends ou pas ? Oui, je t'entends, excuse-moi. Ah oui, ok. En fait, j'ai une manœuvre qui est souffre en silence. Et quand je me dresse fermement face à un danger terrifiant, je jette sauveur au lieu de dangereux pour affronter directement une menace. Et je
Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Lava, il est plutôt terrifiant, non? Qu'est-ce que vous en dites? Vu ce qu'il nous met depuis tout à l'heure, ouais. Ouais, ouais. Tu peux. Clairement. Ok, ça marche. Eh ben, on y va alors. Wouhou! Z'y aille dans la place! Eh bien, tu peux décrire comment tu arrives à vaincre Lava ainsi? Ouais, alors je pense que du coup, je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma ceinture, celle qui est sur ma taille. Je vais vite l'attacher à un endroit en fait très solide. Je vais l'arrimer à un endroit très solide du sol, peut-être comme Jimmy il a arraché la bouche d'incendie et il a fait des trous dans le sol. Je vais attacher ma ceinture là, et puis en fait mes grappins ils sont sur ma ceinture, donc à partir de là je vais tous les envoyer sur Lava. Et je vais faire un petit peu comme si je ferais un poisson, non? Je vais raccourcir les fils pour le forcer à se rapprocher de l'eau qui est projetée par la bouche d'incendie arrachée. Et du coup, il peut plus se reformer en lave. Excellent. Effectivement, celui-ci reprend sa forme initiale, il est tenu de toutes parts, il y a toujours l'eau qui s'écoule sur lui, et tu le vois, il est à genoux, à la limite à genoux devant toi, et il y a Dust et Jimmy un petit peu plus loin, Dust est allongé, Jimmy est à côté, et nous avons Mélanie qui s'extirpe du bâtiment, je suppose. Ouais, mais elle s'extirpe du bâtiment. Elle est désintéressée de ce qui se passe derrière. Elle essaie de sauver des gens, en fait. Mm-hmm. Et donc, The Eye, Lava redresse la tête vers toi. Il est vaincu. Tu vois dans ses yeux qu'il n'a plus la volonté de se battre. Et il te dit j'espérais quand même attirer une meilleure attention. Vous n'êtes pourtant que du menu frottin, cherchant à trouver une place que vous ne méritez pas. Ah là là. Mais la prochaine fois, j'y arriverai. Avant qu'ils disent j'y arriverai, en fait, je lui mets un grand coup. Enfin, je me suis approché. Non, mais attends, laisse-moi lui répondre avant de lui mettre un grand coup, parce que après, il pourra plus m'entendre. Moi, je pense que j'écarte Jimmy d'un bras pour pouvoir répondre à la. Et je lui dis quelque chose comme le menu frottin, apparemment, c'est toi, on dirait. Enfin, si tu nous considères comme du menu frottin, tu es un adversaire à notre hauteur. Et c'est bon, Jimmy, tu peux lui foutre un pinceau. Cela dit, il a tenté de t'influencer. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire exactement? Il veut diminuer ton supérieur et augmenter ton différent. Eh bien, en fait, ça me va. Curieusement. Donc, je ne vais pas lutter. Je ne vais pas rejeter son influence. Ok. Et Jimmy, tu lui donnes un coup. Comme il est attaché de tous côtés, il peut difficilement... Voilà. Mais vraiment, je lui donne un coup pour lui faire mal. Un coup pour lui faire mal. Ouh. Tu donnes un coup pour lui faire mal. Et tu veux lui faire mal à quel point? Lui faire mal. Non, mais en termes de conséquences. Ah, qu'il soit KO et que... je sais pas, qu'il ait mal... qu'il ait une petite blessure, quoi. Qu'il ait un petit truc qui se souvienne de moi. Ok. Qui se souvienne de toi, comme c'est mignon. tu veux sciemment le blesser. C'est ça. Et vous en êtes tous témoins. Bah oui. Bah non,
Je suis un peu choqué, moi. Il y a juste ça qui le voit, en fait. Je suis pas témoin du tout. Ben, moi, je suis témoin et je suis choqué. Hein. Bien. Lava est au sol. La rue est devenue un no man's land chaotique. Est-ce que je peux m'enlever furieux si j'ai blessé quelqu'un? Alors... ça fait partie des... pour récupérer... Récupérer d'un état émotionnel pour ne plus être furieux, blesser quelqu'un ou détruire quelque chose d'important. Blesser quelqu'un d'important ou détruire quelque chose d'important. Je dirais oui. Allez, à la fin de la scène. D'accord. Je sais pas avant que la Aegis arrive, en tout cas, si c'était possible. Enfin, je pense qu'ils vont pas tarder. Oui, effectivement. Effectivement, il te semble entendre au loin le bruit caractéristique d'un véhicule d'intervention de l'Aegis. Et du coup, j'aimerais ramasser quelques braises qui sont tombées de lava pour éventuellement les intégrer à mes flèches plus tard. Et j'ai un move pour ça qui est presque un super-héros. Mmh. Je peux récupérer de nouvelles pièces d'équipement pour rester dans la course. Et je peux la considérer comme un nouveau pouvoir et la noter dans ma fiche. Eh bien, alors... Comment ça se présente? Est-ce que tu dois te déterminer dès le départ alors, c'est quoi? C'est l'enthousiaste, toi? Oui, moi je suis l'enthousiaste. Ça se sent pas dans ma voix. Alors, quand tu... C'est quel... Alors, c'est presque un super-héros. Non, okay. C'est aucun non. pouvoir passé l'entraînement. C'est ça. Ah bon? Ouais. Aucun pouvoir passer l'entraînement. C'est quand tu donnes ton nom de super-héros pour la première fois à quelqu'un d'important. Ah mince, alors du coup, je sais plus lequel j'avais pris, parce que genre, j'ai mal recopié le truc. Je vais regarder. Désolé du coup. Heureusement que t'as regardé, parce que j'allais faire une bêtise peut-être. Alors... Non, c'était bien ça. C'était aucun pouvoir et pas assez d'entraînement que je voulais. Ok, pas de soucis. Je vais changer le nom du coup. Ok, et quels seraient les effets de des flèches fabriquées avec ces éléments de lave? Eh bien, je pense que ça pourrait... ça pourrait facilement embraser des choses qui peuvent l'être. Mm-hmm. Je pense aussi que ça pourrait brûler tout simplement. Si je fais un système de fixation en fait pour que la flèche se fixe à la personne à laquelle j'envoie cette braise, et ben peut-être que ça peut créer une brûlure importante. Ok. Des choses comme des petites choses sympas comme ça, quoi. Bien. J'étudie tout ça dans mon labo, bien sûr. Exactement. Vous avez toujours Dust qui est au sol dans un état difficile de qualifier son état vu Dust, mais il semble inconscient. Mélanie, toi, de ton côté, que fais-tu? Mais moi, j'essaie de sauver les gens de l'immeuble, en fait. Alors, il y a pas mal de blocs qui sont tombés. Ben, il faut. Comment tu t'y prends pour faire ça? Je vais à fond. Je soulève les. Je me sers de mes constructs pour faire des leviers, pour trouver les gens. D'accord. Donc tu fais ça effectivement pour sortir des gens. Vous autres, vous faites quelque chose de particulier? Moi du coup, j'aimerais bien me rapprocher de Dust et puis essayer de... Je sais pas si je peux le réconforter dans l'état dans lequel il est, mais j'aimerais bien essayer en tout cas. Ça va être difficile, il est inconscient. Ah oui, d'accord. Dans ce cas, je sais pas, dans ce cas, je vais peut-être... Il a l'air... Enfin, je pense qu'il a
Enfin, vu son état et le fait que ce soit une silhouette humanoïde, il a dû pas mal souffrir. Hein. Même si s'il est différent de nous, j'imagine. Dust, tu confirmes ? Il est pas si différent, parce qu'il y a... Il y a sa peau qui est constituée d'une grosse, de plusieurs couches de poussière superposées, mais dessous ça reste un corps humain ben, noir et lisse et étrange, mais dessous après il y a des os, de la peau et des organes. Donc, il brûle pareil une fois que la poussière a été détruite. D'accord. Pas cool. Ben, malheureusement, j'ai pas beaucoup de réconfort à lui offrir. Peut-être. Peut-être j'aurais tendance à vouloir le traîner pour qu'il prenne un peu l'eau aussi, qu'il soit pas trop loin de la borne d'incendie. Parce que ça peut toujours lui faire du bien à des brûlures, enfin c'est ce que j'ai entendu en tout cas. Donc je pense que le tremper dans de l'eau fraîche, ce serait pas mal pour lui. D'accord. Et toi, Jimmy, que fais-tu ? Bah, je vais, en fait, quand je reprends, je me suis calmé, j'arrive à plus ou moins me calmer, et du coup, je reprends un peu mes esprits, et je pense à Mélanie, donc je regarde où elle est, et je m'en vais l'aider très rapidement. Alors que Jimmy, tu extirpes des gens, toi, tu as une grande force, si je ne m'abuse. Oui, oui. Ouais, donc c'est plus facile pour retirer des blocs et tout ça. Alors que tu es en train de faire ça, tu as une personne venant de la rue qui s'approche de toi. Manifestement, c'est la femme du couple qui a été visée par la voiture que tu as arrêtée. Elle s'approche de toi. Elle a le visage noirci à cause de la poussière. Elle a certainement pleuré. Tu vois ces larmes qui ont coulé sur ses joues. Et elle te dit, c'est vous qui avez arrêté la voiture ? J'ai tenté de l'arrêter, oui. Merci, merci. Elle se précipite, elle te prend dans ses bras. Merci beaucoup, vous nous avez sauvés. Bah, je suis super gêné parce que je sais pas quoi faire, mais en plus il y a d'autres gens là, donc je prends, je rougis un petit peu. Si je regarde le regard de Sai, je triomphe et on a vraiment voilà, besoin de personnes comme vous. Je n'ai fait que mon devoir. On a vraiment besoin de personnes comme vous qui s'intéressent aux autres, qui essayent de les protéger. Vous êtes un super-héros. Vous avez une voix qui a l'air si jeune. Non, je ne suis qu'un. Je suis là. Vous êtes quoi ? Je suis là pour aider, simplement. Super-héros, c'est un bien grand mot. En tout cas, merci. Si vous permettez, il y a des gens qui ont encore besoin d'aide. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites. Et donc, elle tente de t'influencer, augmenter sauveur et diminuer normal. Ouais, allez. Ok. Tu te sens plus sauveur. C'est combien le minimum dans une carac? Moins 2. Ouais, je crois que si tu arrives à moins 3, tu te prends un état émotionnel. D'accord. Bien. Donc, dans quelques minutes, l'équipe d'intervention de l'Aegis va arriver. Je pense que on switch de scène, on est toujours au même endroit. À moins que vous décidiez de partir avant que l'équipe arrive. Ça va être un petit. Là, entre Mélanie qui est décidée à sauver les gens et Dust qui est à moitié mort. Donc Dust, tu vas sortir de l'inconscience et Jimmy, tu vas donc retirer ton état émotionnel furieux vu que tu avais fait ce qu'il fallait. Et donc pendant les quelques minutes avant que l'équipe d'intervention arrive, vous faites quelque chose ?
Du coup, si Dust sort de l'inconscience, moi je vais me baisser vers lui et je lui fais « Dust, comment tu vas ? J'ai cru que tu te réveillerais pas, mon vieux. » Dust va sortir de l'inconscience en étant affolé. Il va regarder partout et finalement se tourner vers Sai et l'agripper brutalement par l'épaule. Il le regarde dans les yeux et lui dit « Lava ! Où est Lava ?» Et du coup, je montre du doigt l'espèce de croûte noircie qui est maintenant Lava, qui est tombée au sol et qui est arrosée par le jet d'eau. Et je lui dis, t'inquiète pas, il est hors d'état de nuire. Il a fait du mal à personne comme à toi. Tu t'es sacrifié pour nous. Merci, Dust. Dust va ouvrir de grands yeux pleins de lumière, hébété en regardant Lava. Il va faire quelques pas titubants dans sa direction et les mots de Sai lui paraissent un peu flotter dans les airs sans vraiment qu'il les comprenne. Il remarque les grappins qui agrippent le super vilain et le maintiennent au sol et au bout d'un moment se retourne vers Sai et dit « C'est toi qui l'as attrapé ?» Oui, mais bon, heureusement que... on a tous... C'était un travail d'équipe. C'est juste là, c'est mes grappins qui font qu'il est comme ça, mais j'aurais jamais pu faire ça si t'avais pas créé une opportunité pour Jimmy, qui lui-même en a créé une pour moi. Donc, serais-tu en train de le réconforter ? Bah, j'essaye, oui. En effet. Vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, en plus ça, c'est sur mon bon chiffre. Alors, j'espère que je vais y arriver. Oui. Alors. Cool. Dust, est-ce que tu t'ouvres à The Eye ? Malheureusement, ça me paraît vachement tôt dans la situation pour s'ouvrir vraiment. Bah, t'es pas obligé de me déballer ta vie non plus, quoi. Mais. D'accord. Alors, pour vous donner une idée. La personne réconfortée ou soutenue doit choisir si elle s'ouvre. Ce que cela signifie varie beaucoup selon la situation. Cela peut être n'importe quoi, depuis confesser un secret ou retourner un baiser. La clé, c'est qu'il doit s'agir d'une émotion suffisamment significative, d'un échange suffisamment dramatique. C'est ça, s'ouvrir. Moi, j'aimerais qu'il ne s'ouvre pas, mais est-ce que c'est pas plus gênant qu'autre chose si je choisis ça ? Bah, ça veut juste dire que tu ne bénéficies pas de son soutien. Du coup, ça n'agit pas sur toi. Mon soutien n'agit pas sur toi et tu peux pas bénéficier des bienfaits, en quelque sorte, de mon 10+ que j'ai fait juste pour toi. Par contre, toi, oui. Oui. Alors, Dust va rester silencieux à contempler fixement... Ça, il y a quelque chose qui change, même si c'est très difficile à voir hein, sur son visage qui n'est qu'une silhouette d'ombre esquissée. Mais il a l'air de serrer les dents et il s'éloigne précipitamment pour aller rejoindre Mélanie, d'aider les gens. Hein. Mais il se sent inutile et en colère. Hein. Donc tu ne t'ouvres pas à The Eye ? Non, mais je trouvais que c'était vachement tôt pour le régler, ça. Ok. Ouais, en fait... Et The Eye, enfin, tu ne récupères rien non plus. Si, je vais quand même mettre un point d'équipe dans la cagnotte. Non. Tu peux récupérer toi d'un état émotionnel. Non. Ah oui, mais moi j'ai pas d'état émotionnel. Non, mais tu ne peux le faire que si la personne s'est ouverte à toi. Si ce n'est pas le cas, personne n'obtient rien. D'accord. Mais juste pour... Enfin, pour... Zut. Dust, en fait, ça... Enfin, une scène un peu dramatique, enfin, tu vois, où ton personnage même exprime une émotion, tu vois, c'est pas forcément... ça peut suffire, en fait, pour s'ouvrir, quoi. T'es pas obligé de me raconter toutes tes blessures narcissiques, quoi. D'accord. Non, mais dans ce cas, est-ce que le fait que j'ai l'air de mal le prendre... Et que malgré ce que tu es en train de dire, il murmure hein, et se contente de te dépasser en te tapant sur l'épaule et te dire bah, mais bien joué. Est-ce que ça suffit alors si, on, si,
Moi, je vois pas trop ça. Dans ce cas, moi, je vais te retenir par le bras et je vais te dire mais t'as pas entendu ce que j'ai dit, Dust ? Sans toi, on n'aurait pas vaincu Lava. Tu sais ce que c'est, tu connais le terme équipe ? Précipite pour aller aider Mélanie. Bon, définitivement, il s'ouvre pas à toi, là. Non, mais la scène était plus intense. C'était plus sympa comme ça. Alors que vous êtes en train d'extraire des gens de l'immeuble, l'équipe d'intervention d'Aegis arrive. Vous voyez une navette. Alors, c'est pas une grosse navette de combat. Se pose un petit peu plus loin et un groupe d'intervention et de nettoyage d'Aegis sort de la navette. Il commence à se déployer dans la zone et l'un d'eux arrive dans votre direction. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Donc il parle à qui ? Parce qu'en fait il y a deux groupes là, il y a moins d'un côté avec. Je me fais discret. Hein. Ok. En fait, il est à distance égale des deux groupes. Il sait pas trop à qui s'adresser. Mais à la limite, comme toi, tu es à l'écart, Zihai. On va dire qu'il s'adresse plus à toi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Juste, on a fait votre boulot et on a récupéré, on a neutralisé Lava. Et je lui fais un petit sourire. Vous avez fait notre boulot. Et là il regarde autour, l'état de la rue. L'immeuble effondré. Je crois que je lui dis, vous imaginez les dégâts qu'il aurait fait dans toute la ville si on n'était pas intervenu. J'imagine surtout les dégâts qu'il n'aurait pas fait si il s'était éloigné et que nous l'avions rattrapé dans un endroit avec moins de bâtiments, moins de dangers, dans une opération un petit peu mieux coordonnée. C'est pas possible, ça. Je me gratte la tête d'un air un peu gêné. J'aimerais que Dust intervienne à ce moment-là, si c'est envisageable. Mais bien sûr. Il va voir que Sai est aux prises avec l'agent de l'Aegis et revient dans leur direction pour dire « Héros Dust, matricule 236, c'est entièrement de ma faute, la situation qu'on vient de voir. Je suis sous la supervision de l'Aegis et j'ai agi sans consentement de mon supérieur. Dust va faire un sacrifice pour absoudre sa culpabilité. » Alors c'est quoi ça? Explique-nous. Récupérer de l'état émotionnel, et comme on a déjà déterminé que Dust est sous la supervision de l'Aegis, eh bien on peut dire qu'il a agi et affronté Lava sans le support et sans l'autorisation de son mentor Cypher et de l'Aegis. Du coup, il a déclenché ce combat. Ah, donc c'est pour récupérer une responsabilité sur lui. Mais c'était aussi pour, reprendre sur lui la responsabilité. Faire un sacrifice pour absoudre sa culpabilité, pour ne plus être coupable. Donc voilà, il dit c'est tout sa faute. Exactement, il dit je suis un héros matriculé, j'aurais pas dû agir, c'est de ma faute. Donc tu vois l'agent qui sort, qui appuie sur son avant-bras, il y a une espèce de petit ordinateur intégré qui apparaît, et il saisit ton matricule. Hein, effectivement, oui. Et des informations sur toi qui apparaissent. Et une fois qu'il a fini, il se tourne dans ta direction, il appuie sur un bouton à côté de son casque, celui-ci s'ouvre, et là tu vois Eric, ton frère. On dirait donc que Dust est frappé par la foudre l'espace d'un instant. Ses yeux s'écarquillent, il recule d'un pas, pour plus savoir quoi dire, et finalement il murmure le souffle coupé. Eric ? Oui, Eric. Oui, Nicolas, Eric. Franchement, mais tu te rends pas compte des dégâts que tu as fait ici ? Tu te rends pas compte de ce que tu as fait ? Mais regarde-moi cet immeuble ! Regarde-moi la rue ! Mais regarde-moi ces gens que vous êtes en train d'extraire de cet immeuble ! Mais tu réalises un peu ce qui vient de se passer ? Vous vous êtes attaqué à Lava. Alors c'est sûr, vous l'avez eu. C'est sûr que avec quelqu'un qui a des pouvoirs incontrôlables comme les tiens, vous êtes capable de le vaincre. Mais à quel prix ? Tu te rends pas compte à quel point tu es dangereux.
T'es pas un sauveur. Je lève un petit index, genre, y a pas que ce pouvoir à lui. Et donc là, il tente d'augmenter ton dangereux pour diminuer ton sauveur. Alors j'accepte, et Dust est recroquevillé en deux, brisé. Il a le souffle coupé, c'est à peine s'il retient ses larmes, mais même s'il pleurait, vu son visage, ça ne se remarquerait pas. Il y a toute la lumière sur son corps qui pulse faiblement et qui commence à s'éteindre. Il ne peut que répéter Je suis désolé. Oui, les autres, si vous agissez. Moi, pour l'instant, je pense que je me rapproche, mais pendant les cris de Dust, sachant que l'équipe d'intervention a commencé à... Mais vous allez pas arrêter là, vous lui faites mal, c'est bon. Mais plus que lui faire mal, on va l'arrêter tout court. Et pourquoi? Mais parce qu'il est responsable de tout ce grabuge, c'est lui-même qui l'a reconnu. Dans ces cas-là, vous arrêtez tous et lui là, en désignant ce qui reste de Lava. Ben, Lava, en fait, il est déjà en train d'être menotté, tu vois, qu'il lui met des espèces de grosses menottes spéciales, des gros trucs qui le bloquent complètement. Ils le mettent sur une espèce de civière et ils l'amènent dans leur véhicule, dans leur navette. Moi, je pense que je lui fais face et je lui dis non, mais vous croyez pas qu'il faudrait d'abord sauver les gens avant de penser à punir les soi-disant responsables qui ont neutralisé Lava? Alors, l'équipe intervient aussi pour ça. Mais bien sûr que nous nous occupons de sauver les gens. Bah, vous étiez pas là tout à l'heure, hein? Il a fallu faire votre boulot, les gars. Hein. Je veux pas dire, mais... Vous aussi, vous vous y mettez? Je ne m'y mets pas. J'ai fini, moi. J'ai fait mon taf. Ouais, je vois ça. Je vois le taf que tu as fait. T'es toujours furieux, si je ne m'abuse. Non, je suis plus furieux. Ah, oui, tu es calme, maintenant. Est-ce que vous avez d'autres idées émotionnelles intéressantes? Peut-être que Dust est encore en colère, du coup. Enfin... Mais il devrait être d'autres choses, à mon avis. Ouais, mais il est toujours en colère. Il est toujours furieux. Peut-être, pendant que Eric est en train de parler à Jimmy, que les voitures autour commencent à décoller du sol, et que Dust relève légèrement la tête. Ça suffit maintenant. Eric recule de quelques pas. Qu'est-ce qui se passe? C'était de ma faute. Emmenez-moi! Et il y a les voitures qui tremblent tout autour. Vous réagissez, les autres? Ben, Zia, en fait, ça l'intéresse plus trop parce qu'il voit qu'Eric s'intéresse pas à lui, donc il va récupérer sa ceinture d'un air professionnel et il regarde autour pour voir s'il y aurait pas un van de presse dans le coin. Je pense que ça a attiré effectivement. Il y a un caméraman et un reporter avec son micro qui sont à distance et qui commencent à se rapprocher tout en filmant, tout en commentant. Te convient, Ziaï, alors que tu regardes tout autour, tu croises le regard de Dust alors qu'on est en train de l'emmener, et il est tourné vers toi et il a l'air de t'adresser silencieusement un « pardon, je suis désolé », alors qu'on l'emmène. Je pense que Ziaï, il te lance un petit sourire encourageant, genre ça va aller. Et puis après, il t'oublie pour se précipiter vers les journalistes. Hein. Jimmy, toi, tu faisais face à Eric, donc l'agent d'intervention de l'AIGIS. Et tu vois effectivement deux agents d'intervention qui ont pris Dust et qui commencent à l'amener jusqu'à la navette. Est-ce que tu fais quelque chose? Vous allez faire quoi avec lui? Enfin, j'interroge. Vous l'amenez où, là? Il vient de sauver. Sans lui, on n'aurait pas réussi à maîtriser Lava. Et là, vous le punissez, en fait. Sans lui, il n'y aurait pas tout ce carnage. Ah non, il y aurait pire, puisque Lava, ça serait régalé. Ou pas. Bah, clairement. Vous n'étiez pas là. Nous, on peut le dire. Si on est intervenu, c'est parce que vous n'étiez pas là et que Lava était en train de commencer à faire n'importe quoi. Écoute, gamin. Déjà, tu vas commencer à me parler respectueusement. Et tu vas commencer à agir respectueusement envers l'Aegis. Sinon?
J'accepte pas son influence. Hein. C'est bon. Ah oui. Alors, sa tentative d'influence était effectivement diminuer ton supérieur pour augmenter ton normal. Tu la refuses ? Oui, oui. Mmh, j'adore ça. Alors, Doumont, sinon. Rejeter l'influence. Lorsque tu rejettes l'influence, tu jettes plus de zéro. Alors, sur un 7+, tu t'y tiens et ces paroles ne t'affectent pas. Et sur un 7-9, tu choisis une option. Soit tu récupères d'un état émotionnel ou tu coches un potentiel si tu agis immédiatement pour lui prouver le contraire. Ou alors, tu augmentes une étiquette de ton choix au détriment d'une autre. Ou alors, tu annules son influence sur toi et tu obtiens un +1 à la prochaine action qui le prend pour cible. Il n'a pas d'influence sur moi, donc... C'est un adulte. Tous les adultes ont de l'influence sur toi. D'accord. Il me semble que tu as encore un état émotionnel. Oui, oui, donc je vais cocher un potentiel et... Non, c'est l'un ou l'autre. Mais il faut que tu agisses immédiatement pour lui prouver le contraire. J'y tiens. Je vais... je lui demande. Sinon... Et je me fuis... Enfin, je suis face à lui et je le toise du regard, quoi. Enfin... Qu'est-ce que tu vas faire, en gros, hein ? Tu le défies, donc. Voilà. Si tu continues, vous allez tous vous retrouver dans les locaux de l'Aegis pour régler cette affaire au clair. Et sur quel motif ? Il ouvre des grands yeux, mais genre halluciné, genre tu... En regardant autour. Bon, c'est tout. Au revoir. Et je m'en vais. Je vais aider les gens. Non, mais venez, on s'en va, là. Mais moi, je suis déjà parti. Hein. Alors... The Eye, toi, tu t'es approché donc du duo de journalistes. Tout à fait. Et oui, nous sommes en direct du quartier de Little Neon où un conflit entre le super criminel Lava et ce qui semble être une jeune équipe de super-héros a dévasté la rue. Regardez toutes ces destructions et l'immeuble aussi. Ah, mais nous envoyons un qui s'approche de nous, que s'est-il passé ici ? Eh bien, en fait, j'étais particulièrement bien placée parce que au début du combat, j'étais en haut du building. Et je peux vous dire que Lava était furieux. Il projetait de la lave partout, les gens étaient en panique, en train de courir partout, les voitures renversées. Enfin bref, du coup, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose, qu'on pouvait pas le laisser dévaster la rue comme ça. Et donc avec mon groupe, donc moi c'est ZI, mais il y avait aussi Dust, Louvre et... comme par hasard, il se souvient plus du nom de Jimmy. et voilà, ben on l'a neutralisé avec un minimum de moyens, quoi, parce que ben, comme vous avez vu, l'Aegis est arrivé un peu tard sur les lieux pour agir. Effectivement. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les motivations de Lava? Pourquoi faisait-il ça ? Qu'est-ce qu'il y est ? Pourquoi s'en est-il pris à quoi, au fait ? Là, du coup, je dis... c'était un peu flou, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a déjà affronté et malheureusement, il s'en était pris à l'un d'entre nous. Donc, on ne pouvait pas le laisser faire une deuxième fois et cette fois-ci... C'était donc une affaire de vengeance ? Et on lui a mis. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez affronté Lava ? Eh bien. Besoin d'exprimer une justice ? Et non, pas tout à pour fait. Pour les malheurs dont il avait été responsable ? Oui, bien sûr, il y avait ce sentiment-là qui était présent, mais il y avait aussi la volonté de protéger les innocents et puis de montrer évidemment aussi aux citoyens qu'on était là pour eux et qu'on
on les protégerait de nombreuses fois encore. Et est-ce que la destruction de cet immeuble fait partie de vos méthodes de protection des citoyens ? Très bonne question. Je pense que ça, c'est un élément qui nous a échappé, malheureusement. Mais vous voyez, les victimes sont extraites des décombres et tout devrait revenir à la normale assez rapidement. Et ne pensez-vous pas que affronter des super criminels comme ça devrait être réservé à des super-héros qui ont déjà de l'expérience ? Je peux pas dire qu'on n'a pas non plus d'expérience. On en a quand même un peu, voilà. Bon, et puis Et effectivement, vous êtes nouveau donc dans le créneau du super-héroïsme, si je comprends bien. Mais oui, mais en même temps, tous les grands super-héros sont passés par une phase de jeunesse et d'expérimentation. Oui, effectivement. Et c'est ainsi donc que vous appelez toutes ces destructions de l'expérimentation. Non, j'appelle ça, comme vous certainement, des dommages collatéraux qui n'ont pas d'ailleurs été tous provoqués par nous. Et vous ne vous sentez pas... En grande partie par Lava. Vous ne vous sentez pas coupable pour tous ces dommages ? Parce que depuis tout à l'heure, vous me parlez comme si vous étiez fier de ce que vous aviez fait, mais je ne serais pas très fier d'avoir causé tous ces dommages, influence. Je sais pas, vous sentiriez capable de neutraliser Lava ? Elle tente de diminuer ton supérieur pour augmenter ton différent, pour augmenter ton dangereux. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose ? Intervenir ? Oui, intervenir comment ? Je vais... En fait, voyant que Sai parle au journaliste, Louvre, hein, s'approche, le masque. En tout cas, d'abord, il y a l'influence. Oui, tu me rappelles, c'était le différent ou le dangereux qu'elle veut augmenter ? Elle tente de diminuer ton supérieur pour augmenter ton dangereux. Eh bien, je vais accepter. Donc, ça veut dire que tu acceptes ses paroles, ce qu'elle dit. Bah oui, je pense que je prends un air un peu... Je prends un air un peu gêné, un peu coupable, un peu confus. Et puis je pense que finalement, je finis... Enfin, je suis plus dans mon rêve de super-héros. Je finis par regarder autour de moi et peut-être je prends la mesure un petit peu de ce qui s'est passé. Et puis bon, du coup, je fais une petite moue et je lui jette un regard noir et je m'écarte un peu, quoi. Mélanie ? Ouais. Du coup, entendant que que lui dit le journaliste, en fait, Mélanie, qui s'était approchée un peu pour voir ce qui se passait, elle intervient, elle fait mais vous avez pas honte ? On vient là alors que on est encore que des enfants, que des jeunes et on sauve les gens, on a empêché que l'immeuble explose, il y avait le feu, on l'a éteint, enfin tout ça c'est vraiment injuste. Vous êtes vous acharnez sur VIA là alors que je fais mon métier de journaliste. Je suis bien d'accord, mais il faut que vous compreniez que VIA a été irréprochable sur cette histoire. On a essayé de contenir les dégâts qu'a fait Lava plutôt que d'en faire. J'essaie de le soutenir. Tu essaies de soutenir. Soutenir VIA. Ouais. Mm-hmm. Ça marche, ça ? Eh bien, écoute, on va essayer, mais il faudra que. Il faudra certainement que ZI se confie à toi, mais peut-être un petit peu plus tard. C'est-à-dire, Bon, écoutez. Maintenant, on a du travail. Merci de votre... D'ailleurs, le journaliste se précipite vers un membre de l'AIGIS pour aller l'interroger, et puis interroger aussi les passants et les victimes. Et donc, réconforter, soutenir, 8, yes. Donc, vous vous retrouvez tous les deux, Mélanie et Zi.
Et du coup, je pense que je vais baisser les yeux. Je vais dire merci, merci Lou. J'étais vraiment dans un mauvais pas là. La journaliste, elle m'a un peu pressée. Je crois qu'il faut presser comme un citron. Je pense qu'il faut que je m'entraîne pour affronter les journalistes et leur prouver qu'on est des vrais super-héros à la hauteur des plus chevronnés de cette ville. Et c'est vrai que j'avoue que quand j'ai lancé cette flèche et qu'elle a explosé dans l'immeuble, je me suis dit bonjour la superviser, quoi, ça sert pas à grand chose. Heureusement que... T'y es pour rien, franchement, on a fait de notre mieux et on l'a arrêté, c'est compte. On a blessé quelques personnes, mais toi en tout cas, c'est toi qui l'as arrêté. Sans toi, on serait encore en train de brûler les voitures et de faire tomber des immeubles. Merci Lou, ça compte beaucoup que toi en plus qui a vraiment des vrais super pouvoirs, tu me dises ça. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un double truc? Parce que du coup, j'aimerais bien partager une vulnérabilité avec Lou. Alors là, tu t'es ouvert à Louvre. Mmh. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de passer une scène suivante. Et à cette occasion-là, tu vas pouvoir partager ta vulnérabilité. Là, d'accord. C'est ce qu'ils viennent faire là, en disant que. Non, mais une scène suivante, c'est genre vous êtes réunis, je sais pas, dans votre QG ailleurs. Ouais, ok. C'est-à-dire après, voilà, on saute. Mmh. Et, okay. et juste avant, j'aimerais faire une scène avec Dust. Bah oui. Nous aussi, on se demande ce qui devient. Ouais. Et du coup, tu récupères d'un état émotionnel, c'est ça? Non, du coup, je vais cocher un potentiel parce que j'ai pas d'état émotionnel en fait. Planqué. Donc, ce que je vous propose, je vais faire une scène avec Dust, puis après, une scène dans laquelle vous allez tous vous retrouver. Alors, ça peut être la même soirée, ça peut être le lendemain, je ne sais pas quand. Dites-moi. Ben peut-être la même soirée, comme ça on pourra mm-hmm. éventuellement fêter notre victoire, même si les autres pensent que c'est pas une victoire. Enfin, en tout cas, Zia, il pense toujours que c'est une victoire. Donc... Ouais, on se retrouve au bowling. C'est ça. Ok. Et donc, et en fait, cette scène-là commencera à l'arrivée de Dust. D'accord. Donc, je vais m'occuper de Dust. Allô? Prends soin de lui. Dust, tu as été mené à l'intérieur de la navette. Tu as été assis dans un coin. Et Eric s'assoit debout en face de toi. Il pose une espèce d'appareil, une espèce de boîte à tes pieds devant toi. Il appuie sur un bouton et là, il y a une image holographique de Cypher qui apparaît. Et puis Eric te regarde. Vous allez pouvoir discuter pendant que je vais réparer vos dégâts. Et il part. Alors, Dust plisse les yeux et il sent un fond de colère lui remuer l'estomac. Alors du coup, alors que Eric s'éloigne, Dust va dire juste assez fort pour qu'il entende à Cypher « Salut papa », lui rappeler que les liens entre Dust et Eric restent très, très sommaires et étiolés, qui ne font plus vraiment partie de la même famille dans la mesure où Dust ne se rappelle même pas d'eux avant l'accident. Et il regarde le visage impénétrable du masque holographique de Cypher et baisse la tête. « Bonsoir Dust », dit Cypher. J'ai cru comprendre que ce soir, il s'était passé quelque chose de grave. J'ai tout foiré. Je tente toute l'année pour que ça serve à quelque chose, pour que ça marche, pour que je puisse sortir. Et j'ai fait que prendre des coups et casser des trucs et mettre les gens en danger. Et au final, ils ont tout fait alors que j'étais dans les vapes. Je crois qu'Aegis a raison.
ma place est au trou enfermé là où je suis un danger pour personne. Mm-hmm. Et j'ai du mal à comprendre. Tu sais que tu es censé agir dans le cadre de dans un certain cadre. Tu sais que tes pouvoirs sont encore peu connus et peu contrôlés. Tu sais que tu as déjà un passif avec Lava, qu'il vous a causé un traumatisme. Et pourtant, malgré tout cela, tu y es allé. À partir du moment où, j'ai entendu Zi prononcer, dire que Lava était dans le coin, j'ai arrêté de réfléchir. Dans ma tête, je voyais plus que Rebecca dans son lit d'hôpital et je me souviens presque rien du combat. Tu as causé beaucoup de dégâts. Je ne suis pas très content de l'influence que ces compagnons que tu t'es trouvés ont sur toi. Surtout l'influence de ce Zi. Il faut bien comprendre que tu es quelqu'un qui... Tu as un grand potentiel. Tu as le potentiel de devenir un grand super-héros. J'espère que tu en es conscient de ça. Mais... il faut que tu prennes le temps d'apprendre à te contrôler. Dust va l'interrompre en frappant violemment du poing contre la paroi de la navette qui va vaciller alors qu'on roule l'espace d'un instant. On va entendre un gros bruit de dérapage. Ah non, mais elle bouge pas la navette. Elle est où ça? T'entends boum. Et puis en plissant les yeux, ne dis pas de mal de mes amis, même si c'est toi, Cypher. C'est moi qui ai merdé et c'est eux qui l'ont attrapé. Mais tu viens... Même si on a fait n'importe quoi, on était les premiers sur scène. Les autres, Zi et les autres, ils ont sauvé des gens là-bas. Vous vous êtes quand même jeté dans la mêlée sans plan, sans organisation, sans vraiment savoir ce que vous alliez faire finalement. Eh bien, va dire ça à la jeune femme en pleurs qui a remercié Jimmy de s'être jeté devant la voiture. Va dire ça à les personnes qu'on a tirées sous les voitures, que Lou va dégager des débris. Ah, je t'emmerde, Cypher! Et là, il ajoute sa colère autant qu'il pouvait. Et tu fais quoi? Je fais quoi? Bonne question. Je me lève et je tape dans la porte pour l'ouvrir. Moi, tu peux même défoncer la navette si tu veux. Ben voilà, je défonce la navette. Si tu veux te libérer de l'état émotionnel furieux, il faut que tu détruises quelque chose d'important. Défonce la navette, et alors que Cypher est encore en train de parler, je piétine le communicateur holographique. Bien. J'entends les sirènes autour de moi, je sais bon. J'ai peut-être merdé là quand même. Et alors que tu es en train de défoncer cette pauvre navette, tu as les agents de l'Aegis qui se précipitent. L'un d'entre eux sort une espèce d'appareil qu'il lance à tes pieds. Est-ce que tu fais quelque chose? Non, Dust lève les mains comme s'il dit « je me rends ». Et alors qu'on est en train de lui faire ce qu'on va lui faire, il a un faible sourire et dit « Les hormones, vous savez. » Ouais. Eric s'approche de toi. C'est lui qui a le dispositif dans la main avec le doigt prêt à appuyer sur le bouton pour activer ce qui est à tes pieds. C'est malin. Et après, tu réalises pas à quel point tu peux... Tu réalises pas les conséquences de tes actes. Tu as vraiment bien changé. C'est quoi ton vrai nom déjà? Nicolage. Tu as vraiment bien changé, Nicolage. Je ne te reconnais plus. Le Nicolage que je connaissais ne serait jamais comporté comme ça. Pouvoir ou pas pouvoir.
et là il tente de t'influencer. Augmenter différent et diminuer normal. Je refuse son influence parce que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Et en serrant les dents, je le regarde. Rejeter l'influence. Alors, on jette, rejeter l'influence. 10, full hit. Alors, sur un 7+, donc, tu te tiens et ses paroles ne t'affectent pas. Et en plus, tu choisis deux options. Tu récupères d'un état émotionnel ou tu coches un potentiel si tu agis immédiatement pour lui prouver le contraire. Ou alors, tu augmentes une étiquette de ton choix au détriment d'une autre. Ou alors, tu annules son influence sur toi. Eh bien, je vais... je vais cocher un potentiel et agir immédiatement pour lui prouver le contraire. Tu veux pas savoir... À savoir, le regarder dans les yeux et lui dire « Mon nom est Dust !» Enfin, là, tu agis pour lui prouver ce qu'il est en train de dire, que t'es différent, que t'es plus... Nicolas, le Nicolas qu'il a connu. Là tu vas dans son sens, hein. Effectivement, attends. Ce que je vais faire, c'est je prends la troisième option et je voudrais annuler son influence sur moi. Ok. Disant justement mon nom est Dust. Oui, mais si effectivement, on a rien à voir, toi et moi. Oui, donc tu acceptes son influence. Regarde le truc, il est en train de dire t'es plus comme avant, t'es trop différent, tati tata. Et t'es en train de dire oui. Oui, mais si je lui dis oui, on n'est plus de la même famille, on n'a rien à voir ensemble, toi et moi, mine de rien, je rejette son influence, non? Tu te comportes avec moi comme si tu étais là. Lui, son truc, c'est de dire je regrette l'ancien Nicolas. Et là, tu dis je rejette son influence et tu lui prouves que t'es plus l'ancien Nicolas. Dans ce cas, il faut accepter l'influence. Mais c'est ça. Vrai, je suis plus l'ancien Nicolas. D'accord, dans ce cas, j'accepte. Et donc, il augmente différent et il diminue normal. Je peux pas augmenter différent. Est-ce que ça m'inflige encore un état émotionnel? Alors, ça va t'infliger un état émotionnel et on ne touche pas à tes étiquettes. D'accord. Qu'est-ce que ça va être, du coup Moi, je verrais bien... Ouais, ça pourrait être démoralisé. Ou désespéré. Ou coupable. Enfin, c'est toi comme tu veux, en fait. C'est toi qui le... Allons pour désespérer. On va pouvoir finir cette scène-là et vous retrouver quelques temps plus tard. Et où est-ce que vous vous retrouvez? Au bowling. Ou au diner, peut-être. Non, au bowling, parce qu'on n'a pas résolu l'affaire du costume encore. Ça a l'air bien, ça. Alors, qui peut me décrire un petit peu à quoi ressemble le bowling? Déjà, il y a pas mal de poussière, je pense, un peu partout. C'est votre QG, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà. Je pense que, sauf aux endroits où on a l'habitude de s'asseoir, peut-être il y a un bar et il y a des chaises autour. Et c'est là où on fomente nos plans. Pour ma part, je pense qu'au-dessus des trous où les boules de où il y avait les quilles de bowling, je pense que j'ai mis des cibles pour pouvoir m'entraîner. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut enchaîner pour décrire à sa manière le lieu. Ouais, moi je veux rajouter quelque chose. Je pense qu'on a dû essayer de remettre un bout de. Enfin, un truc d'électricité. Pirater l'électricité du voisin ou remettre un peu de jus. Et on a un petit frigo avec des sodas et des trucs comme ça. Et, qui fait que. Pour rendre un peu cet endroit un peu plus habitable, on va dire. Et au niveau de la poussière, à mon avis, comment elle s'appelle, Mélanie, elle a dû délimiter un espace de vie, entre guillemets, et elle a enlevé les débris, et puis... Ok, eh bien, je vous laisse. Bon, et la scène commence, moi je suis dans les machineries du bowling, en train de me défouler. Je pense que la scène commence par la porte du bowling qui s'ouvre, et Dust qui arrive. Alors Dust, tu Eric a reçu manifestement instruction de Cypher de te laisser repartir et par contre tu dois te présenter à Cypher dès le lendemain. D'accord.
Donc Dust est habillé d'un jean et d'une chemise à carreaux ouverte sur son étrange corps étoilé. Et les yeux fuyants. Salut, il fait un vague écho dans la salle de bowling. L'air atrocement coupable. Du coup, moi je lève une main dans ta direction. Salut, c'était pas trop dur? Tu t'avais dit que ça irait. Il se mord la lèvre, il baisse sa tête. C'était abominable. Oh, allez, t'en as vu d'autres, on a vu d'autres quand même. Il va aller s'asseoir, non pas sur le. Enfin, je sais pas où est ça, il en a fait. Je pense que ça, il est. Je le vois bien à côté de Mélanie sur un tabouret près du bar et avec une canette devant lui, quoi. Il va aller s'asseoir. Si ça te va, Mélanie, pardon. Ouais, nickel. Aller s'asseoir sous le tabouret et sous le comptoir, rouler en prostré en position fétale, la tête baissée. Non. Mélanie, elle se rapproche de toi. Elle dit, Tu comprends pas que c'est grâce à toi qu'on l'arrête là. Tu t'es sacrifié, tu t'es jeté sur lui pour pouvoir l'empêcher d'agir. Je veux dire, si t'avais pas été là, on serait encore en train d'essayer de l'arrêter. T'as vraiment pas à te sentir coupable. Franchement, avec Ghost, t'as assuré quoi. Et ouais, mais avec ça, vous avez vraiment. Heureusement que vous étiez là quoi, parce que. Moi, tout ce que j'ai fait, c'était de... Là, il y a un petit... T'es là? Non, t'es en train de casser des trucs derrière. Je voudrais quand même essayer de réconforter et soutenir Dust. Vas-y. Yeah. Maintenant, est-ce qu'il va se laisser réconforter? Pinaise. Au moment où Jimmy est arrivé, j'étais là quand même. Il y a Dust qui est en train de bouffer de rire, qui finit par éclater d'un grand rire. Parce que vous êtes tous les deux en train de regarder sous le comptoir depuis votre tabouret pour lui parler. Et finalement, il en peut plus, donc il va poser ça, il y a une main sur le bras de Mélanie. Parce qu'il se rappelle bien que ça lui avait tenu le même discours tout à l'heure. Il dit c'est plus que je ne mérite. Et merci aussi, Jimmy. Désolé pour la voiture. Je fais un petit signe style, c'était rien. Que ce soit difficile à voir sur son visage, Dust a un sourire et la lumière dans son corps brille un peu plus intensément. Là-dessus, il se contente de dire bon, « J'ai juste rendez-vous avec Cypher demain qui veut débriefer là. » Et vous avez allumé la télé? Qu'est-ce qui se passe hein? Je pense que je pousse un soupir et que je dis ben non, je préfère pas vu ma prestation devant les caméras et on va vraiment me prendre pour un nul. C'est vrai que t'étais pas très bonne. Hein. Ah mais. Mais ta gueule, Jimmy. Non mais tu veux dire ce qui est. Encore une fois, c'est pas parce que tu penses que t'as pas de pouvoir que t'es pas quelqu'un de bien. Non, par contre, tu passes mal à la télé. Je pense que du coup, je suis à la fois touchée par ce que je dis, parce que dit Mélanie et mort de rire par la vanne de Jimmy. T'as plus ta place que t'as autant ta place que n'importe qui parmi les super-héros, hein, c'est sûr. Tu penses vraiment ce que tu dis, Mélanie, parce que c'est sûr. Jimmy, par tes remarques envers Zi, est-ce que tu abuses de ton influence pour lui infliger un état émotionnel? Pas du tout. C'était juste gratuit. C'était oui, enfin. oui, mais. Pour revenir sur ce qui vient de se passer là, je pense que t'as ouvert une vulnérabilité et j'ai confirmé que t'es un héros. Oui, c'est ça, exactement. Donc, du coup, t'as de l'influence sur moi si t'en avais pas déjà, mais si tout le monde en avait. J'en ai déjà et je pense que je voudrais. Tu modifies augmenter ton différent. Ouais. Miner ton normal. Alors, attends. 2 secondes, parce que du coup, j'ai le droit de cocher un potentiel aussi. Et donc, tu m'as dit Augmenter ton différent et ton normal. Ok, bah j'accepte. Je crois que t'as pas le choix d'accepter. T'as pas le choix. Ah oui, bah oui, de toute façon. Oui, j'ai pas le choix. Mais c'était bien, merci. <T'en>
Donc, ben voilà, donc je pense que ça y a à nouveau le sourire et je pense qu'il était un peu abattu sur sa chaise, un peu affalé et puis là il s'est un peu redressé et tout et puis il dit bon alors quand est-ce qu'on reprend l'entraînement et les patrouilles et tout, on a une ville à sauver, c'est pas tout ça mais de toute façon pour ce que je veux il va falloir que je m'entraîne à ça. Ah non mais Mélanie, tu vas pas à ton tour nous faire une petite déprime là quand même. J'arrive avec 3 canettes de coca que je distribue à tout le monde. Ouais mais on en avait déjà devant nous. C'est pas grave. Okay. Il y en a 3 hein, il y en a pas une. Enfin. Mais moi je fais, enfin excuse-moi Jimmy, c'est peut-être pas ton cas et d'ailleurs ça a pas l'air, mais moi je fais attention à ma ligne, tu vois. C'est vrai que gros, ça. Il faut qu'on s'entraîne plus. Hein. Parce que on peut pas. Mais même si on a quand même sauvé la ville, on aurait pu faire moins de dégâts. Ouais, ouais non, t'as raison, Mélanie, mais t'inquiète pas, on s'entraînera avec toi. Enfin, tu sais, dans le parc, dans le bowling, dans ton sanctuaire, on peut s'entraîner partout. Hein. Puis t'as des pouvoirs quand même spéciaux qui peuvent s'utiliser partout. T'sais. Enfin, je pense que tu peux. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème, il faut juste que tu prennes un peu confiance en toi et tout ira tout seul, tu verras. Dust va donc quitter son refuge sous le comptoir et pendant que Mélanie et Sai sont en train de discuter, il va tapoter l'épaule de Jimmy et faire un signe du pouce vers le bowling en mode tu veux jouer ? Allez. Ouais, du coup, c'est vrai, j'essayais de réconforter Mélanie là en fait. Donc. Activez les moves. Hein. Quand vous pensez qu'un move s'active, n'hésitez pas à le dire. Ok. Bah oui, non, mais c'est parce que j'essayais de le faire, mais du coup, je sais pas trop ce que j'attendais, en fait. Bon, alors, du coup, c'est ouais. Normal. Là, je me tire une balle dans le pied. Je te dis, t'es normal, et après, tu me réconfortes. C'est ça. Bon, c'est limite, mais c'est bon, quand même. Alors, 7, eh bien, si tu t'ouvres à elle... Bah, tu peux choisir une option, il me semble. Ouais. Du coup, je pense que quand tu me dis qu'on va s'entraîner et que tout ça, mes yeux se plongent dans les tiens en fait, et elle dit mais j'ai besoin de vous en fait. Ce pouvoir, c'est tellement bizarre et je pensais que ça marchait bien et c'est vrai que enfin. J'ai tard de pouvoir m'entraîner avec vous parce que c'est comme ça qu'on deviendra super-héros, non ? Ben, je sais pas trop. Oui, enfin, tu m'as dit que j'étais un super-héros, du coup, oui, j'imagine. j'essaye de prendre un peu d'assurance. Oui, bien sûr, mais de toute façon, écoute, Dust et moi, on s'entraîne régulièrement dans le parc. T'auras qu'à venir avec nous et puis tu nous décriras tes pouvoirs et. Et puis on essaiera de te faire des épreuves spécialisées. Chouette. Tarde. Du coup, je décoche, c'est moralisé. Hein, parfait. Et là, après. Donc on te reprend la caméra. Mais oui, on vous redonne la caméra à Dust et Jimmy. Moi, je vous laisse la caméra, là, vous êtes entre vous. Donc, le panneau affiche Strike, parce que la boule de bowling fait une espèce de trajectoire flottante et tourbillonnante et décoche toute l'équipe d'un coup. Oh, évidemment, le tricheur. Quand on joue ensemble, ouais, voilà. on retient rien et on triche à fond. On avait dit pas de pouvoir. C'est ça. C'est moi, je vois très bien Jimmy avec une bulle sur lui, enfin, assis dépité en disant « mais on avait dit pas les pouvoirs ». J'ai pas fait exprès, parfois, ça part tout seul. Et dites les garçons, on devrait pas parler un peu de costume à tous les deux là ? Ouais, je pense que là, Mélanie marque un point. Je pense que là... j'ai une petite moue, je vous jauge des pieds à la tête, non mais là ça le fait pas quoi. Ouais, parce que là vous avez eu le temps d'éviter les journalistes, parti avant qu'ils arrivent, mais. Ah, ou parti ou à l'intérieur d'une voiture. Mais ça va pas durer quoi. Enfin, imagine un super vilain qui vient, il te suit, il te retrouve, ça peut être dangereux pour tout le monde, voire pour votre famille ou même à l'école, quoi.
Non, puis bon, enfin, faut dire qu'aussi, Jimmy, tu fais pas peur, quoi. Tu ressembles à un sac et avec ton sweat capuche et tes lunettes, là, franchement. Enfin, voilà, je. Ouais, le sac, il a été efficace quand même pendant le combat. Ouais, bon, t'aurais quand même plus de classe avec un vrai costume de super-héros, quoi. Enfin, je sais pas, un truc peut-être pas moulant si vraiment tu tiens pas. On n'est pas obligé d'avoir un costume moulant. De classe, mais il est très bien, au moins un masque. Ça. D'accord, mais et si tu portes un masque? Mais j'ai une lunette de soleil, ça va pas? Mais écoute, si tu veux, je t'en prête un des miens. Ils sont vachement confortables. J'éclate de rire. Mais Jimmy, écoute, il faut que tu te rendes à l'évidence, tu peux pas continuer comme ça, quoi. Déjà, ça, comme dit Mélanie, ça donne une mauvaise image auprès des caméras. Et puis ensuite, il suffit qu'on t'arrache tes lunettes et ta capuche, c'est vite fait, hein. Et si on t'arrache ton masque à toi? C'est pareil, c'est vite fait. Mais non, c'est pas pareil, mon masque, il est renforcé avec plusieurs élastiques. Tu dis n'importe quoi. En plus, il a une surface collante autour des yeux, donc je vois mal comment on pourrait me l'arracher, quoi. Mais vas-y, continue de te cacher derrière tes vannes. Non, je te réponds juste que tu me l'envoies. C'est-à-dire, moi, mes lunettes, elles tiennent. Elles ont tenu tout le combat, là. Ouais, mais on peut te reconnaître, franchement. C'est pour les gens autour de toi. C'est pas tant... un petit sacrifice pour ta classe, et moi je pense qu'il y a des costumes super-héros qui sont trop classe. Moi je pense que je vais essayer de modifier ses étiquettes, ouais. Je vais baisser son... Donc Jimmy, je vais essayer de baisser ton différent et d'augmenter ton normal. Est-ce que tu acceptes ce qu'elle dit? C'est-à-dire de mettre un costume? Non, enfin... Ouais, enfin, c'est ce que je veux, mais... Enfin, non, je te dis qu'en fait, t'as l'air de rien sans costume, en fait. Est-ce que tu acceptes ou que tu rejettes son influence? Là, vu comme ça, non, je ne veux pas, hein, je retrouve. Eh bien, je t'en prie, jette. On va jeter l'influence. Dommage. Alors, ces paroles te blessent, tu coches un état émotionnel, et moi, je modifie les étiquettes. Mais je vais être furieux, hein. Donc je broie la boule de bowling que j'avais dans la main, je la broie, en fait. Il y a Dust qui fait un petit saut en arrière, inquiet, et qui commence à léviter autour de Jimmy. Mm. Oh. Tu as gagné... Tu as gagné un potentiel aussi, hein, non? Ah, je sais, ah oui, bah oui. Je sais pas si sur celle-là tu coches un potentiel aussi. Bah moi je dirais que c'est tout sur tous les 6 ouais. mois. Sauf... On va dire sur, bah tous oui. 6 mois, ouais. Ouais, sur les 6 mois. Sauf peut-être encaisser un coup puissant, je sais pas. Quelles étiquettes tu essayais de lui modifier? Je voulais augmenter son normal et baisser son différent. Et ben moi je vais dire que ça va augmenter son différent et baisser son normal. Ok. Alors, il va se passer un truc parce que je suis à moins 3 en normal. Ah merde! Donc il n'y a rien qui se passe. Alors il n'y a rien qui se passe. T'as un autre état émotionnel. Et je vais te mettre un autre état émotionnel. Voyons voir, Jimmy, qu'est-ce que je vais pouvoir te mettre comme état émotionnel? Il va réconforter Jimmy, hein. C'est plus facile. Mais je pense que ça, il ne va pas pouvoir. Jimmy ne sera pas d'accord. Je pense que ça te désespère un petit peu tout ça, là. Voilà. Pas envie. Blasé. Blasé, ouais, cette blase, ça te désespère, tu. Ouais. Bon, je rentre chez moi. Voilà. Non mais attends. Je fais mine de partir. Enfin, je suis en train. Ah de... mais Lani, elle te rattrape, quand même. Elle te rattrape, elle te prend par les épaules, en fait, et elle te dit mais attends, pars pas comme ça. Putain, tous les deux, vous êtes chiants, hein. Franchement, c'est l'autre là. Toujours à vous battre. Mais non, mais elle voulait pas dire. Il voulait pas dire ça. Je pense que moi, j'observe la scène avec un sourire à l'air de dire j'ai gagné cette fois-ci. T'es un membre à part entière de cette équipe. C'est juste que on essaie de s'occuper de protéger les autres. Tu comprends? C'était pas vraiment. C'est pas la peine de dire ce qu'elle dit, quoi. Je sais bien. Mais ça, c'est parce que vous arrêtez pas de vous battre. Ce qu'il dit. Quand vous parlez, ça finit. Ça. Allez, ça,
Franchement, tu n'arrêtes pas de me chercher aussi. Ouais, mais je sais bien, mais ça va bien se passer, allez. En attendant tout à l'heure, si j'avais pas fait. C'est grâce à moi qu'il a pu faire le bloc. Mais bien sûr, c'est toi qui portes le coup final. C'est superbe. Non, final, comment ça, c'est lui qui porte le coup final. Chut. Je pense que tu sais, mais Mélanie, elle te fait un signe genre avec la main, tu vois. Ah non, moi je voyais la scène dans le hall de la, enfin tous les deux. Il y a pas forcément les autres. Alors. J'ai commencé à partir moi. Ouais, mais oui, du oui, coup oui, je pense que de loin je vous regarde et j'ai un grand sourire de vainqueur. Quoi. Je fais plus sur mon jet de récompense. Et regarde-le là-bas. Il m'en veut encore plus. Est-ce que tu t'ouvres à moi? Ben oui. C'est ce que t'as fait avant. Et la question c'est comment est-ce que tu t'ouvres à lui, à elle. À elle. Je viens de dire que j'étais très énervé, qu'il me saoulait et que quoi que je fasse, ça va jamais quoi. Et voilà, et maintenant il faut que je mette un slip sur mon pantalon pour faire super héros quoi. On a parlé d'un masque, arrête un peu de parler de slip. Après, si tu veux mettre un slip, c'est toi qui vois, mais juste un masque ça suffit. Même un masque de présidente des États-Unis, je veux dire, on s'en fout. Ah ouais? Je peux mettre ça, oui. Tu crois? Un masque de hockey. Bon, après, un masque de hockey ou. Ah, il y a tellement de trucs qui existent que tu trouveras sûrement, allez. Bon, allez, pour te faire plaisir, je mettrai un masque. Merci. Mais il a pas intérêt à rigoler, l'autre. Hein. Et je pense qu'il sera fier de toi. Voilà. J'y crois pas trop, là. Je te laisse dire, mais intérieurement, j'y crois pas trop du tout. Bon, du coup, il s'est ouvert à moi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bon. Moi, je récupère de coupable, hein, si j'avais. Du coup, pendant qu'il parlait, Dust, il a pris un petit carnet, un stylo, et il est allé s'asseoir au comptoir pour commencer à griffonner des idées de costumes. On est productif. Y a pas besoin de le convaincre, et d'accord, alors on va réfléchir à des trucs. Bah, je pense que du coup, ça, il va s'approcher et puis il va dire à Dust, je peux regarder? Alors tu vois sur la première page, t'as écrit Dust Jiminisé et tu vois un Dust en capuche avec des lunettes de soleil et il se tourne vers toi. Ça du coup j'imagine vu ce qui est en train de se passer que ça va pas marcher. Je te regarde avec un air consterné puis je secoue la tête l'air de dire non. Voilà. Voilà, sinon sur d'autres pages, il y en a. Pour le moment, il s'est contenté de vous imiter avec un espèce de costume spandex qui te ressemble, avec les constructions psychiques de Louvre. Mais il n'a pas encore d'idée originale, vraiment. Moi, je pense que je te donne une bonne tape dans le dos et je dis purée, t'as un bon coup de crayon. Je suis sûre que tu vas réussir à trouver une super idée. Il sourit un petit peu et dit c'est à cause de. Mais j'ai l'impression que ma reconnaissance spatiale fonctionne un peu mieux. Du coup, c'est assez facile de faire exactement ce que je veux. Il sait pas trop s'il doit être content de ça ou pas. Ben, ça y est, en tout cas, il est impressionné. Il ouvre un peu les yeux et il fait « Waouh, c'est classe !» Ça aide quand on jette des voitures, enfin normalement. Et puis il regrette d'avoir dit ça parce qu'il se tourne vers Jimmy, fait normalement ça va être une autre idée. Mais regarde, on a. Franchement, enfin, tu veux pas le reconnaître, mais t'as été génial. On lui a fait sa misère à Lava, mais vraiment. Il sourit, il fait non, ça va beaucoup mieux maintenant. Merci beaucoup, ça. Ok. En fait, moi, je voulais célébrer une victoire avec Dust. Oui. Et donc, j'ajoute un point d'équipe. Mais comme Dust, en fait, m'a pas répondu, ben, donc ce sera le seul point d'équipe qu'on ajoutera. Voilà. Bon, pour la prochaine fois. C'est pas grave. Mais là, on peut quand même dire qu'on célèbre tous la victoire, non? Bah en fait il faut déclencher le... C'est une manœuvre passive qu'il faut déclencher avec une scène. Bon, je pense qu'on y est dans cette scène là depuis tout à l'heure. Non?
Oui, mais enfin, je pense qu'il faut quand même le jouer un peu, tu vois. On peut pas juste dire, bah là, au fait, ouais. Tu vois, moi, par exemple, il faut. Enfin, moi, c'est marqué sur célébrer ma victoire. C'est marqué quand tu célèbres une victoire à quelqu'un, dis-lui à quel point il est génial et ajoute un point d'équipe. Si à son tour il te dit à quel point tu es génial, ajoute un autre point d'équipe. Tu vois, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la fiction. Mmh. Bah, oui. Si je l'avais eu sous les yeux, je l'aurais fait. C'est pas grave. Et Jimmy est rentré chez lui. Hein, donc... ouais. Ah bon, bon. Il est parti. C'est triste. Moi, j'imagine bien, en fait, que je rentre chez moi et mes parents sont devant la télé et ils m'accueillent avec des acclamations, genre « Ouais, trop bien !» et tout. « Il était pas facile, celui-là hein. Bravo, mon fils !» Donc, voilà, et puis on célèbre la victoire devant la télé et ma mère me trouve particulièrement photogénique. Elle est pas du tout partiale. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a téléchargé sur Internet un guide de comment s'exprimer en public. Elle a déjà prévu de te faire suivre des formations vidéo sur la prise de parole. Super. J'adore ma mère. Ensuite, Dust, en rentrant du repère, il est passé... chez un fleuriste qui fermait, il a acheté des fleurs. Puis ensuite, il s'est rendu à l'hôpital à la 5e. Il s'est élevé dans les airs afin de monter à la fenêtre du 11e étage. Et là, assis en flottant, il a commencé à placer les fleurs autour de lui. Et il a regardé la silhouette de Rebecca dans le coma, en lui faisant un petit signe de main. Et il commence à lui raconter la journée en disant « Salut Rebecca, aujourd'hui... on a croisé là-bas. Prison. Waouh. Il va s'attarder quelques minutes comme ça en la regardant et en lui parlant. Et puis la porte va s'ouvrir pour un médecin qui vérifie son état et il va s'enfuir en laissant donc une petite haie de fleurs sauvages en lévitation à travers la vitre. Voilà. Wow. Mélanie puis Asgard. Ouais. Alors donc en fait. C'est, on voit Mélanie qui rentre dans son sanctuaire. Et donc il y a Viggo qui vient et qui dit « Alors, c'est passé comment ?»« Putain, je comprends pas. » Excuse-moi, Viggo qui est un corbeau, hein. Un corbeau. Un corbeau qui parle. Ouais, c'est un corbeau qui parle. Et il dit « Mais attends, mais je comprends pas. Le construct c'est dissous au contact de la chaleur. Faut que je trouve un moyen de... Je trouve comment faire pour le contrôler mieux et le renforcer. T'as pas un bouquin là-dessus ? Je pense qu'ici, en suivant le corbeau, il s'enfonce dans la bibliothèque pour aller. Parfait. Et enfin, Jimmy ? Alors, Jimmy rentre chez lui, donc il passe par la fenêtre parce que Tante Marie-Jeanne. Là, il est tard et que Tante Marie-Jeanne. Et elle est au rez-de-chaussée, elle est devant la télé, et que lui, il est censé faire dormir, ou voilà, il a ses occupations dans sa chambre. Quand il rentre, il va directement dans son placard, il fouille à l'intérieur, il sort un coffre, etc. Et il va trouver un masque. Il se dit, tiens, pourquoi pas. Et il le jette dans un coin. Bien. À moi de faire mon épilogue. On ne sait pas trop à quel moment ça se passe, mais le lieu, c'est... on a des couloirs, on a des salles vitrées. Manifestement, c'est une zone de détention. Dans l'un de ces box vitrés se trouve Lava. Il est assis, il a toujours ses grosses menottes qui emprisonnent ses mains et qui lui bloquent ses capacités. Et c'est alors que la lumière baisse, comme si un voile obscur, très léger, se, euh,
passer un petit peu partout. Et une forme humanoïde, la silhouette d'une personne se présente devant la vitre du box de Lava. Lava jette un œil effrayé dans cette direction. Le lecteur ne voit pas de qui il s'agit, mais une voix assez sinistre sort, une voix que seule Lava est capable d'entendre, comme si tout s'était figé autour. Et cette voix dit « Lava, je t'avais demandé de t'en prendre à elle en priorité. Mais la situation a dégénéré, je... Lava, j'avais de bons espoirs placés en toi. C'est dommage que tu m'aies déçu. Et la dernière case, on a une vue extérieure de la zone de détention, du bloc de l'immeuble de détention, et on voit juste une bulle, certainement Lava qui pousse un grand cri, et le lecteur ferme le comics. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. My life destroyed. A hero.